Bon, première sortie de cette année 2024, enfin deuxième sortie pour être plus exact, puisque je suis allé à vélo au réveillon, j'en suis rentré également à vélo, c'était très sympa, une nuit très claire, sous les étoiles et tout, c'était nickel, 10 bornes aller, 10 bornes retour en gros. Et là, pour cette première véritable sortie, sous ce temps magnifique, n'est-ce pas, j'en suis à 6 km, et mon compteur m'annonce que la batterie du dérailleur arrière est faible. Voilà. Heureusement que quand j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, c'était encore plein. Bon, bah écoutez, je sens que je vais devoir un petit peu écourter cette sortie que je fais là dans le Lot. Et forcément, bah comme ça a tendance à beaucoup monter, descendre, je me retrouve souvent à changer de vitesse. Et je ne sais absolument pas quelle est la réserve d'énergie du dérailleur une fois qu'il dit batterie faible. Donc on va peut-être pas non plus prendre trop de risques tout de suite de se retrouver bloqué. Bref, cette petite vidéo était tout simplement pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Ça y est, c'est parti. On est lancé non pas pour 365 jours, mais pour 366 jours de nouvelles aventures et de tout plein de choses, de tout ce qu'on veut. Je ne sais pas vous ce que vous voulez. Dites-moi ça dans les commentaires, que ce soit à titre perso, pro, sport, peut-être des vidéos que vous attendez ici sur cette chaîne secondaire ou sur ma chaîne principale. Voilà. De mon côté, eh bien, je ne sais pas du tout comment cette année va se passer. On va dire qu'en 2023, il n'y a pas eu forcément tout ce que je voulais pour avancer. Donc là, on va voir. Ça va être une année un petit peu charnière. Un petit peu où ça passe, où ça casse. Il y a pas mal de trucs sur la table. Au niveau sportif, déjà, vélo, il y a pas mal de choses que j'aurais envie de faire. Je verrai si j'ai la possibilité de les faire. Il y aura aussi comme gros projet, peut-être de bouger. Vous avez pu voir, si vous me suivez sur les deux chaînes, enfin sur la chaîne principale du coup, puisque celle-ci est toute neuve, que beaucoup de vidéos ces derniers temps sont tournées dans cet environnement, dans le Lot. J'y suis souvent, parce que c'est quand même vachement plus sympa de tourner les vidéos ici, avec un paysage cool, avec de l'espace pour certaines vidéos type mécanique vélo, plutôt que chez moi dans l'appart à La Rochelle, qui est clairement trop petit pour mon activité. L'appart, il fait habitation, il fait bureau, il fait atelier, il fait garage, il fait stockage. Comment vous dire que je vis dans les cartons et que ça devient compliqué, un petit peu déprimant, démotivant aussi pour faire les choses. Donc c'est à l'étude de venir par ici dans le Lot. Voilà, j'ai repéré un truc avec de la place. C'est en cours de se faire ou de ne pas se faire. Je ne sais pas encore. C'est en phase de grande réflexion actuellement. En phase de faut tout voir ce qui va être faisable ou pas, de est-ce que financièrement c'est faisable ou pas. Mais il y a de beaux projets à faire. Franchement, il y aurait des trucs très très chouettes aussi peut-être pour les partager avec vous après, physiquement parlant sur place pour aller découvrir des choses. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire tout de suite. Je vais aller continuer mon petit tour. De nouveau, une très bonne année 2024. Et je vous dis à très bientôt pour tout plein de vidéos. Voilà, en espérant vous souhaiter de nouveau une bonne année en 2025, si tout va bien. Ciao !